Ah, on brûle maintenant. Ani ani boke ma lo bereza ya yo. Ani ani boke ma lo bereza ya yo. Salut team Sawako Magic Diesel Virus. Retrouvez-nous sur ivoirsoudou.net. C'est ça. Diesel, Ivoire, Zoulouti, Team Lead Vocal. Est-ce que vous avez conscience un peu de l'ampleur que vous prenez sur le marché Zoulouti? Merci Ivoire Zoulouti. Merci Monsieur Marcelin Tissé. On a conscience de ça, bien évidemment. Parce qu'on travaille pour les mélomanes, on travaille pour la Côte d'Ivoire, on travaille pour tout le monde. Donc quand tu commences, quand tu fais un travail et que tu constates que tout le monde aime ce que tu fais, forcément il y a une satisfaction qui est là, donc on en a conscience. Justement, vous êtes arrivé sur le marché du disque il y a seulement 3 ans, non moins que ça, et déjà vous êtes à un certain niveau, vous faites des playbacks pratiquement chaque jour, les concerts live, c'est devenu votre chose, on peut dire ça comme ça. Quel est votre secret? Pas de secret à ça, c'est le travail. C'est le travail, tous les jours on travaille, tous les jours on travaille. Comment vous travaillez par rapport aux autres qui n'ont pas de bonbons par exemple? C'est pas qu'on fait un truc qui est différent des autres en fait. Je veux dire, quand tu sais où tu vas, tu te donnes les moyens d'y arriver. Voilà. Avec beaucoup de travail, avec beaucoup de courage, il y a forcément quelque chose que l'autre ne fait pas que tu fais. Voilà. Donc c'est un peu ça, on travaille beaucoup et puis il y a Dieu aussi qu'il faut mettre dans toutes les entreprises. Voilà, donc tout ce qu'on fait, on n'oublie jamais de mettre Dieu devant. C'est ce qui fait que le staff aussi qui fait un travail aussi. C'est tout ça qui fait partout. Parlons de l'album Prophétie, si on devait faire un petit bilan concernant le maxi single Prophétie. Qu'est-ce que vous diriez? Ça a été un succès? Quelle est votre appréciation? Bon, le maxi single Prophétie qui est sorti, je vais rappeler comme ça, depuis le 13 décembre 2014. Le 16 décembre 2013, pardon, merci. D'accord, je vais rappeler que c'est depuis le 16 décembre 2013 que c'est sorti, voilà. Et si on devait faire un bilan de Prophétie, je dirais que Prophétie n'a pas été un échec. Voilà, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Voilà. Prophétie nous a permis de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas avant, par exemple. Voilà, ça nous a ouvert des portes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est satisfait parce qu'on n'a même pas encore emprunté le chemin de là où on veut aller. Voilà, mais je pense que avec le travail du staff, voilà, de la maison qui nous produit, avec vous, certainement, qui voit Zoulou, qui fait beaucoup pour les artistes, en particulier ceux du Zoulou, voilà. Je pense que ça va donner ce que ça va donner. Et vous êtes venu renforcer un peu vos productions avec 2 chansons. Le titre Poto Poto qui rend hommage à Doug Sagan et le titre Canon, une forme de maxi single de Virus. On va d'abord parler de Poto Poto. Pour certains, vous avez un peu glissé dans le coupé décalé. Est-ce que c'est une manière pour vous de draguer un peu ce public coupé décalé en évoquant dedans le Doug Sagan? Bon, on a fait, nous, je veux dire que tout ce que nous on fait, toutes les chansons qu'on chante, toutes ces chansons-là viennent de notre cœur. Voilà. C'est l'inspiration, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Donc Dieu nous a inspirés. On a écrit une chanson pour rendre hommage à quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, pour dire qu'on a dragué le coupé décalé, bon, je veux dire, c'est pas forcément ça. Mais je vais prendre un exemple.
Je vais prendre un exemple. Hein? Permettez-moi de dire que Baby Philippe fait du couplet décalé. Mais il a fait un morceau purement royal. Ça ne veut pas dire qu'il est des Zoulous. Voilà, c'est une manière de rendre hommage aux Zoulous. Donc, si on peut le dire comme ça, on a rendu hommage au couplet décalé. Voilà. Justement, à côté de Potopoto, il y a aussi le titre Canou. Je veux dire, venez à Yakuba. Voilà. D'où est-ce qu'est venue cette inspiration? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Le message est très simple. Voilà. On peut être jeune, avoir un pied dans la tradition et puis avoir un pied dans le modernisme. Voilà. C'est-à-dire que faut au moins, étant jeune, il faut savoir au moins parler une langue de chez toi. Voilà. C'est un peu ça. Kanou, c'est en Yakuba, ça veut dire venez. Tandis que Kanou, quoi, Zoubou, Taka, ça veut dire venez, on va danser le Zoubou. Voilà, c'est une chanson qui est chantée en BT, en Yakuba et en français dessus. Et justement, votre Zoubou est très enraciné, parce qu'il y a beaucoup de langues dans tout ce que vous chantez. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un peu une déformation professionnelle, en fait, que vous êtes BT, tous les deux? Est-ce que du BT que vous traduisez en chanson? C'est comme ça que vous avez voulu, ou alors, ça sort d'où tout ça? Quelle stratégie? Chanter en langue. On est né buté. On est né buté. Je pense que la meilleure manière de valoriser sa culture, c'est d'en parler. Voilà que comme nous, on ne sait pas trop parler, on sait chanter. Raison pour laquelle on chante dans notre langue. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Aujourd'hui, Magic DJ, est-ce que vous sentez un changement dans votre vie en 2013 lorsque vous arrivez à Abidjan, on est en 2015 aujourd'hui en avril. Est-ce que vous voulez dire quelque chose a changé dans votre vie? Vous vous sentez sur les sentiers que vous vouliez emprunter? Est-ce que vous êtes sur la voie, sur la route pour arriver là où vous voulez aller? Bon, franchement, beaucoup de choses dans votre vie parce que avant. Moi, j'ai très mis ce que j'ai quitté à 5 euros. Vous m'avez pas poulé. Voilà, je ne mange pas poulé tout ça. Mais à cause du travail bien fait, l'institut que j'ai produit, ou les hommes médias, ils font beaucoup aussi pour nous. Voilà. Donc ça va, ça tourne, ça va. Ça va vraiment. Faut dire aussi que. On a dit tout à l'heure que les professionnels ont ouvert les portes. Voilà. Il y a des personnes véritablement. On entendait leur nom, mais on ne les connaissait pas en fait. Donc aujourd'hui, on a la facilité de croiser ces personnes-là, de prendre des conseils auprès d'elles, et puis ça nous permet de renforcer notre morale pour pouvoir travailler, évoluer quoi. Voilà, donc il y a forcément un changement. Et justement, avec le maxi single Prophétie, aujourd'hui, Prophétie et Virus, où est-ce que vous voulez aller? Parce qu'on s'en bat seulement, mais on ne sait pas où on va. Où est-ce que vous voulez aller justement dans cette carrière musicale que vous avez entamée en 2013 de manière professionnelle? Bon, en fait, moi je l'ai dit comme ça que à cette d'où on vient. Donc, quand tu sais d'où tu viens, forcément, tu dois savoir, tu vois. Voilà, mais bon, cette prophétie, cette virus, c'est très simple. Voilà, on est venu, on a annoncé la prophétie. Mais pour que la prophétie soit bien répondu, pour que tout le monde prenne conscience qu'il y a une prophétie qui est en train d'être répandue, une prophétie qui doit s'accomplir. Il faut que chacun entende, il faut que chacun soit touché en fait. Voilà, donc le virus pour contaminer tout le monde, comme ça quand tout le monde est touché, la prophétie s'accomplit. D'accord, on va parler un peu de certaines questions qui fâchent peut-être, parce que le but de cette interview, c'est de vous traduire ce que les gens disent dans les coulisses. Ah bon? Voilà, on dit aujourd'hui que Magic DJ est gonflé. On a l'impression qu'ils sont arrivés dans leur manière de faire, ils se plaignent beaucoup. Enfin, ils sont arrivés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça va bien. Franchement, vous savez. Ce qui pense bien, c'est pas ce qu'on est vraiment. On n'est pas ça du tout. On n'est pas comme ça parce que. Mais c'est pas. Tu peux venir dans un point, un exemple, ne pas boire, tu ne bois pas l'alcool, exemple. Tu ne bois pas l'alcool. Mais quand tu as ce qui n'est pas plus tranquille, bois ton mot comme ça, les gens qui sont fâchés. Et qui trouvent que tu as pas, tu. Mais tu fais pas comme lui, c'est pas.
Donc, peut-être c'est ce genre de choses là que mon mec disait, quoi. Sinon, on n'est pas pour ça du tout. Ce qui est bien, même, c'est que la vie est très simple. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Nous, on essaie de prendre notre travail au sérieux. Voilà. On essaie de mettre beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est de présenter nos excuses officiellement à ces personnes. Sans le savoir. Voilà. On s'est peut-être mal comporté envers une personne sans le savoir. Vraiment, on s'excuse. Mais Magic Diesel, il n'y a pas de comportement. Dans nous, dans Magic Diesel, il n'y a pas de comportement de quelqu'un qui est gonflé en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. On n'est pas gonflé, on est ouvert. Voilà, la preuve, on est que quand on arrive quelque part, on fait tout pour s'approcher à des gens, pour causer avec eux. Parce qu'on ne maîtrise pas grand chose, donc on essaie de prendre beaucoup de conseils, le maximum de conseils d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment des excuses qu'on présente. Voilà. Que Dieu nous aide parce que l'homme n'est pas parfait. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voulait dire. Et est-ce qu'à travers ces critiques-là, vous sentez souvent jalousé par certains de vos collègues artistes de la nouvelle génération ou même d'autres générations? Est-ce que vous avez l'impression que certains sont un peu durs avec vous dans leur jugement? C'est bien ça que nous, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ceux qui sont jaloux, s'occuper de ceux qui cherchent à nous copier, de s'occuper de ceux qui nous dénigrent, par exemple. Voilà, donc on ne les voit pas, en fait. Nous, on ne cherche pas à les voir, on ne cherche pas à les connaître. Voilà, même si tu nous dénigres, nous, on cherche à savoir ce qui est bien en toi. On cherche ta qualité pour travailler avec toi, pour marcher avec toi. Parce que, quel que soit l'être humain, il a une partie de lui qui est un peu bizarre. Voilà, donc nous, on ne s'intéresse pas trop au tout. Au mauvais comportement, aux mauvais trucs que les gens font. On cherche plutôt la qualité des personnes qui marchent avec eux. Qui sont vos modèles dans le milieu du football? Qui sont nos modèles? Nous, on a un seul modèle. On a un seul modèle. Quand je dis modèle, c'est par rapport à plein de choses. Voilà, quand je dis modèle, c'est par rapport à plein de choses. Magic System. C'est un groupe qui est notre modèle. Voilà. Pour leur sérieux dans le travail. Voilà. Pour leur rigueur. Voilà. Et justement, le nom Magic Diesel, est-ce que vous faites souvent le parallèle avec le Magic System pour marcher un peu dans leur sillage? Ça vous arrive de penser un jour de vous voir dans les scènes internationales avec des disques d'or? C'est le rêve. Vous pouvez être le second Magic System de Côte d'Ivoire. Ouf. Dieu fera. Parce que faut dire que c'est un rêve pour tout artiste qui se voit au sommet de son art un jour. Voilà. Mais c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui décide. Du lendemain de tout un chacun de nous. Voilà. Donc tout est dans la main de Dieu, mais on travaille pour arriver où on veut aller. Vous êtes des hommes à femmes, c'est ça? Mignon, on vous trouve hein, dans le des hommes à femmes, des hommes à femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, est-ce que vous sautez des femmes à la pelle? Je veux dire, est-ce que les femmes ne vous fatiguent pas un peu trop? Est-ce que vous retenez, vous n'ouvrez pas trop la braguette? Bon, tout à l'heure on a dit, quand tu veux, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Voilà, on sait tous que dans le milieu du showbiz, il y a deux facteurs qui peuvent facilement détruire l'artiste. Voilà. Soit c'est l'argent, soit c'est la femme. Excusez-moi les femmes, mais c'est un peu ça. Donc, on n'est pas parfait, mais on fait beaucoup attention à ces facteurs-là. Voilà, donc on ne se laisse pas aller. Tu vois un peu, dès le premier jour en même temps, et après le spectacle en même temps, ce genre de choses, d'abord on fait très attention à ça. Une dernière question avant la capilla. Je veux dire, entre Kanou et puis Porto-Porto, votre coup de cœur, c'est quoi, vous-même? Notre coup de cœur. Oui, ça va coûter un coup de cœur, un canot et puis Porto-Porto. Non, non, les deux morceaux, c'est les deux morceaux de notre coup de cœur. On n'a pas de coup de cœur. D'accord, pour les viewers, vous filles qui sont nombreux à vous écouter, ouais. Un acapella, ouais. Voilà, de Porto-Porto ou de canot, selon vous. En 30 secondes. C'est vous qui choisissez. Canot alors, on aimerait combien la partie. Ok, mamie, c'est Magic Diesel.
C'est pour tous les Ivoires ou les filles, vous qui nous suivez. Voilà, tant mieux. Ani ani boke ma lobeliza ayo. Ani ani boke ma lobeliza ayo. Kanu kwazu bruta ke oze. Kanu kwazu bruta ke zo. Zo mama zo. Awe zo mama wewe. Zo mama zo. Awe zo mama wewe. Tout le monde tapez les mains. Allo gaga, allo gaga, allo gaga, allo gaga. On va se recommencer. Merci. Hey Yagi Ayede, Floresco. Hey Yagi Ayede, Deschamps Côte d'Ivoire. Hey Yagi Ayede, il